Il m'est déjà arrivé de me croire dans un rêve, mais là tout est différent. La réalité est bien trop saisissante. Il me semble que je suis dans un jeu, et je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je suis poussé par un instinct qui me force à survivre, à me battre, bien que je me sente extérieur à mon personnage. Je n'ai pas l'impression d'avoir de contrôle sur lui, et c'est ça qui me trouble le plus. Je ne sais pas pourquoi mon envie de violence ne cesse de croître. Il me semble que je sois fait pour tuer, et pourtant j'ai un mauvais pressentiment à mon égard. Je sens ma mort proche, et j'ai bien peur de ne pas me tromper. Je commence à me demander ce que mes ennemis deviennent une fois qu'ils sont morts, et je me demande aussi ce que je deviendrai si jamais il m'arrivait de mourir. Cette peur me hante. Je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas si je retrouverai mon corps. Tout ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de survivre, dans un monde qui n'est pas le mien. C'est très bizarre. Les sensations de mon personnage m'appartiennent de plus en plus. Je commence à sentir l'air de la forêt, et ressens la présence des amis qui sont à côté de moi. Mais c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Mais qu'est-ce que je fais là? On dirait qu'en mourant, j'ai changé de jeu. Je suis dans un nouveau décor avec un nouveau personnage. J'ai retrouvé tous mes sens, et il me semble que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu de bruit. Mais l'instinct de survivre est encore plus fort. Il est très désagréable de mourir dans un jeu et de renaître dans un autre, car pendant un court laps de temps, on a perdu tous ses repères. Oh non, il est primordial que je reste en vie pour pouvoir sortir de cette galère. Où est-ce que je suis encore tombé cette fois-ci? J'en ai marre, je tombe toujours dans des embrouilles pas possibles. Et qu'est-ce qu'ils veulent là, ces gardes? Et voilà, je suis encore mort. Ça me fait spasmer, ça. Bah tiens, il manquait plus qu'un jeu de voiture. Cette fois-ci, y a vraiment pas moyen. Franchement, je meurs pas. Et voilà, j'ai évité la mort. Qu'est-ce qu'ils font encore derrière moi, les filles, là? Je vais jamais m'en sortir ou quoi, là? J'ai enfin trouvé le moyen de m'en sortir et faut encore créer un pépin. Franchement, ça me dérive. Et me voilà retrouvé au point de départ. Mais maintenant que j'ai compris comment on peut passer d'un jeu à un autre, je vais devenir invincible. Voilà, c'est dans la poche. Et maintenant, c'est moi qui gère. Je pense que dans le jeu, il y a moyen que je me fasse plaisir. Over here, baby. Might one them stand the ground. Hey, how are you? Hey, baby girl. Bon bah ici je me suis trouvé une copine. C'est cool, ça me fait sortir. Je me suis aussi fait pas mal de potes. Tim Penny just came by, said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mamas. What up, family? Let's go pop these motherfuckers What's up, out. Man? What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real What's big. Nigga? What up, kinfolk? Put Grove Sheet on the map for good. For life. On se fait des parties de domino et quand on est la claque, bah j'ai juste à pousser la porte pour faire une partie de poker dans un autre jeu.
That's game null and void, motherfuckers. So. And understand the epsilon trap. Comme vous pouvez vous en douter, il y a des limites dans un jeu et finalement on finit par s'en lasser. Donc j'ai décidé de changer. Man, you're a true friend. Et voilà, le tour est joué. Ici, pas de garde. Je suis tranquille. J'ai toute la ville sous mes yeux et je fais ce que je veux, j'ai une liberté presque absolue. Mais bon, je vais quand même chercher un moyen de revenir à mon corps. Parce que là, j'atteins vraiment mes limites. Ça devrait marcher si je me détache de toute la ville et tout cet univers. Ah, enfin un grand pas en avant. Déjà que je me détache et que je reviens à mon corps. Et me voilà libre comme l'air, comme avant, comme en début de journée quand je me suis réveillé. Mais attendez, je suis où là ? Mais je suis encore dans un jeu. J'ai vraiment l'impression que je pourrais jamais sortir de là.